Bonjour à tous, c'est NicoGaiju13 et aujourd'hui je suis sur Battlefield 1 pour faire un petit multijoueur avec vous sur la nouvelle map qui est l'ombre du géant. Donc je l'ai car j'ai le season pass, je peux y jouer avant tout le monde. Enfin, tous ceux qui ont le season pass peuvent y jouer. Qu'est-ce qu'il fait lui, ne l'attends pas? Et donc c'est parti, on va faire ce test ensemble. Donc bon, là je la teste avec vous, mais je vous cache pas que je l'ai déjà essayé. Et clairement, j'ai toujours rien compris à cette map. Je sais pas, j'arrive pas à jouer dessus, c'est un truc abusé. Ouais, à chaque fois j'ai des rations négatives et tout. Je vais voir si sur cette vidéo, je vais quand même vous proposer quelque chose de potable. Mais je vous promets rien. Donc on va partir pour 20 minutes sur cette map pour pas que la vidéo soit trop longue aussi. Allez, on capture A. On s'est dirigé vers B pour le capturer aussi. Mais bon, on s'en fout de la moto. Là. Nous, on est des marathonniers, on fait tout à pied. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pris la classe médic avec. Je pense que c'est la Madragon tireur élite, vu qu'elle a le viseur de sniper. Et. J'arrive à jouer avec aucune arme, c'est pour ça que je vous dis, j'arrive pas à m'y faire à cette map, c'est que j'arrive à jouer avec aucune arme. Le combat se situe entre C et D, c'est deux points très très proches, et voilà, c'est difficile, hein, c'est... Faut avoir le meilleur shoot, et vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Battlefield, je joue plus à Call of en ce moment, et ben, très difficile de revenir. Le camion a explosé, il m'a gâché la vue. Allez, on va se diriger vers C pour le capturer vu qu'on a déjà. Allez, boum. Non, non, me tue pas. Bah, c'est pas grave, allez. Donc, on a fait combien? 3 éliminations, on est mort une fois. Bon, ça va, on a bien commencé. Donc là, il est 7h du matin, les gars. Je vais à peine me réveiller. Je vous propose cette vidéo parce que c'est la vidéo du jour. D'habitude, je règle des fois en avance, mais là, je suis un peu en retard. Ça me tirait devant ou derrière? Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Et pour vous dire, même sniper, j'arrive pas à jouer sur cette map, c'est juste abusé. Mais là, apparemment, ça se passe plutôt bien, même si là, j'ai fait une petite erreur, on va dire. J'aurais dû recharger mon arme, j'ai complètement... Ah, vas-y, réa. Nous avons perdu l'objectif. Eh ben, réa pas, finalement. Le gars, au lieu de vite venir me réa, ben non, il va tranquille, il se fait shoot par derrière, complètement stupide. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais, ok, lui, il s'est fait shoot. Le mec, il a juste un peu quillé son véhicule, non? Il doit avoir quelqu'un sur le point pour pas qu'on puisse le capturer. Je sais les gars, je sais, j'ai un shoot de merde. Mais comme je vous ai dit, je viens de quitter Call of pour venir sur Battlefield et c'est vraiment très compliqué. Ah,
Ah non, il s'est fait sauter la gueule l'autre, et lui je savais même pas il était là. Eh, j'ai pris le pistolet pour faire un kill facile sur l'autre, vu qu'il s'était pris des dégâts. Et ouais, j'ai pas pensé qu'il aurait pu en avoir un autre. Tant pis, tant pis. Donc là, j'ai une arme qui a un bipied, donc pour avoir un max de précision, il faudrait que je vous couche. Je vais voir si je mets pas des comment ça s'appelle, des drop shots. Si quand je vois un ennemi, je me couche et je tire direct. Oh, il y avait la triple élimination, les gars. Pourquoi il est arrivé derrière lui? Vas-y, Réa, poteau. Bien, allez, c'est ma fille. Bon, voilà, il est là le troisième. Finalement, je l'ai eu ma triple élimination, mais. Très lent, hein, on peut dire qu'entre chaque kill, il y a eu un écart titanesque. Bon, après la map, je pense qu'il faut s'habituer, elle est pas si mal que ça, mais le souci c'est vraiment ces deux points vraiment très très proches. Après, voilà, c'est faut aimer le combat rapproché. Là, je me plains parce que je reviens à peine de revenir sur le jeu. J'ai du mal encore à m'y habituer. Allez. Allez, on va recharger parce que déjà qu'on doit jouer non-stop avec ce masque, en plus on a que 3 ballons de chargeur, ça va pas le faire. Allez, c'est bon, là on les domine, on va attaquer le point E, on va passer dans leur partie de map. Oui, c'est qui a tiré comme ça là? Et... Non, mais il était à côté de moi! Je les ai même pas vus! En fait, il était passé à côté, mais voilà quoi, putain. Elle a big lose quoi. C'est pas grave, allez. On y retourne. On va se mettre en position haute, on va se coucher. Et on va se prendre genre pour un sniper quoi. Oh, je l'ai eu. Allez, nickel. Contre sur A, B, pendant que nous on est chez eux, peut-être revenir en arrière, je sais pas, on va peut-être essayer de capturer et après revenir en arrière. Ok, assistance. Voilà, maintenant ma manette qui me menace de s'éteindre. Eh ben. Ah putain, il y avait un véhicule en plus. Nous avons perdu l'objectif célestin. Et si on retournait à B avec les poteaux de l'escouade? Allez, c'est parti. Bon, j'espère que ma manette elle va tenir. Normalement, elle tient 20 minutes, quoi. Il n'y a pas de souci. Même plus, normalement, elle devrait tenir. Mais bon, on ne sait jamais. Allez, capture, 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 allez. Allez, c'est parti, on part assez maintenant. C'est au même B, je sais pas. Ah non, pas BD, je voulais dire. Ouais, bah c'est BD, il est à nous, donc je vois pas ce qu'on va faire là-bas. Donc vous voyez que coucher cette arme, elle a abusé. Clairement, elle a pas de recul, le bipied il aide beaucoup. Mais je pense qu'il faut pas en abuser aussi. Sinon on peut se faire surprendre.
Merci pour tout, heureusement que tu es arrivé. Allez, on va se caler entre les deux parois. Et on va attendre quelques secondes, juste de capturer. Non! Ah, je me suis fait capter, mais je pensais que mes balles allaient passer à travers. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, mon arme, ça a été une grosse merde. Alors que, voilà, il est fait en toile quand même, le dirigeable, mais bon. Apparemment, la toile, ça connaît pas. Le mec était obligé de non-scope. Grenade, boum. Mais oui, je savais que tu allais venir. Je le savais, petit, je le savais. Tu veux quoi? Bon, apparemment, aujourd'hui, bah, juste pour voilà, pour cette vidéo, bah, j'arrive à jouer 17-7. Bah, pas mal du tout, les gars, pas mal du tout. Sauf qu'on gère bien notre partie. Eh, mais je vous mens pas, les gars, je vous mens pas que j'arrivais pas à y jouer. Et là, ça passe, mais... crème, ça passe crème, voilà. Je pense qu'ils vont arriver derrière. Obligés, ils arrivent par là. Obligés. Ils ont leur spawn à eux. Il suffit juste qu'ils courent à D et ils le capturent. Il serait con de jouer toujours à C, mais bon. Allez, dis-moi qu'il y en a un. Donc là, le feu, faut faire vraiment attention parce qu'on se brûle. Donc voilà, la map qui inflige des dégâts quand même. Ok. Nous sommes en train de perdre l'objectif désiré. Allez, merde, je dirais m'a pas vu, mais si, il m'a très très bien vu, ce con. Ah, dégoûté, dégoûté. J'étais à un shoot de le tuer. Et ce mec, là, il joue lance-patate au calme. Voilà, hein, rien de plus à dire. Rien de moins. Et on repart. Ah, B, on va aider nos potes parce qu'on se fait capturer. Ok, j'en ai vu un déjà sur la ligne du train. Nous avons perdu l'objectif céleste. Bon, ok, c'était une illusion optique. Et le mec, il... Je veux dire, on est d'accord, il a pris cher. Bon, moi aussi, je l'avais pas vu. Ah là 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 là. C'est le matin, les gars, c'est le matin. Nous avons pris l'objectif Anatole. Ah, je vais aller à D. Je pourrais aller à A ou récupérer le char. Vraiment, j'aime pas jouer char, je trouve que c'est abusé. Donc. Das ist ein feindlicher Sturm, Soldat. Nous avons perdu. Pouah. Ah, cette précision. Oh, cette précision, les gars. J'ai raté une seule balle sur les 4 que j'ai tirées. Et magnifique ce shoot de loin, moi en tout cas c'est ce que j'en pensais. Après ça se voit que y a du sniper dans l'âme sur ce jeu. Ça connaît les retombées de balles, ça connaît les tirs dans la cour, ça connaît tout les gars. Nous avons pris l'objectif. Après franchement je peux le dire, je suis fier de mon shoot, je trouve que j'ai un bon shoot. Nous sommes de loin, pas forcément près. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'allonge lui? J'ai cru qu'il était sniper, c'est pour ça que j'allais le rush. Lui, c'est le genre de mec qui a la frousse, tu vois. Il joue batteuse, il se met au loin et il campe. Bravo. Magnifique. Magnifique joueur. Pourquoi il tire vers la voile? Il n'y a personne.
Bon les gars, faut aller à D. Qu'est-ce que vous faites encore à A et B là? Ok, Yenga, Yenga. Je l'ai vu, je me couche. Allez, voilà. Bon, ok. Mais elle est où? Elle est passée derrière la montagne. Ok, c'est bon. Reviens. Nous avons perdu l'objectif François. Bon, le gars, il s'est juste gavé en fait. Et le gars m'a mis un shoot du turfu là-bas. Il s'est levé, il a tiré, s'est couché quoi. Quick scope. Il m'a pas tué, mais magnifique tir. Bon, là, sinon, on se fait presser à mort sur B. Ouais, on a 3 points à 3. Je sais pas si on gagne. Ouais, on gagne 200 points. C'est un peu tendu tout à l'heure. La map, ouais, quand je les teste. Bon, j'ai fait une élimination à la grenade. Ça va, ça me rattrape. Bon, quand j'ai testé, on perdait, mais de large. Et on est grave remonté. On avait tous les points à la fin. Et... on les a dominés, voilà. Même si tu perds de 100, voire 200 points, c'est vraiment très rattrapable. Et c'est juste à abuser. Ben oui, Charles Gun. Qu'est-ce que tu veux? Revolver, mon gars. Revolver. Perdu l'objectif. Oh là là, il y a tout qui explose, c'est la folie furieuse sur cette map. Non, vole pas l'équipe s'il te plaît. Je sais qu'il y a des snipers là-bas. Ouais. Ça va là, 3 hitmarkers quand même. Hein. Bon, autant je t'ai fait un mon shoot tout en là, j'ai envie de me cacher, les gars. Nous avons pris l'objectif célestin. Allez, double. Mais non, laisse-moi kill ton pote, après je te laisse me tuer, y a pas de souci, mais... Ah ben merci. Attends, là je suis en full, il m'a rien, je suis au milieu de tout le monde. Bon allez, il manque pas beaucoup, j'ai dit qu'on ferait 20 minutes ensemble sur cette map. Merde. Ok. Donc 20 minutes, on a fait quoi, 24-13, donc ça je trouve que ça, on s'est assez bien démerdé aussi. Elle est pas trop moche cette vidéo. Après faut comprendre que sur ce jeu c'est normal si on meurt beaucoup, si tu joues décampé. C'est du 32 contre 32, donc ça fait beaucoup, mais beaucoup de monde les gars. Et ça joue de toutes les manières, donc voilà, c'est... Il est mort ou qu'est-ce qui se passe là? Nous avons perdu l'objectif célestin. Toujours en fin de vidéo, ça fait bordel là. Là je spawn à D sans pression où il y a tout le monde là et je vais aller le chercher, c'est pas possible, le mec il a eu la chance de spawn juste après. Mais qu'est-ce qu'il fait? Couche-toi en haut de la petite montagne, pas en bas. Ok, bon. Finalement, mon shoot, j'ai envie de retirer tous les gifs, c'est la grosse merde. Nous avons pris l'objectif célestin.
train blindé ennemi est en route. Allez, arrête-toi, toi. Camper la batteuse, là. Arrêtez, les gars, vous voulez pas mes kills aussi. D'où il va mon kill? Un train blindé ennemi est arrivé. Au secours! Au secours! Bon, je pense que les 20 minutes, elles sont passées, là. Ouais, donc les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur cette vidéo. C'est vrai, il manque le F à découvrir. Mais bon, je pense qu'on aura le temps de jouer sur cette map. Alors, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette découverte de cette map. Donc, laissez un like pour mon travail, pour me faire plaisir. Et parce que je pense que je le mérite, voilà. Et pour ce gameplay, quand même, il était pas moche. On va voir juste mon score avant de nous quitter, 29-15. Après, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Partagez un max pour me faire connaître. Et merci à tous. Et à bientôt.